Et salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en route, alors vous me voyez pas mais c'est normal, c'est parce qu'il fait noir, je suis obligé de me déplacer à pied pour aller à mon arrêt de bus. Mais tout simplement aujourd'hui, comme le mois dernier, et c'était pas vu, je vous emmène dans ma vie de tous les jours. Et donc bienvenue pour ce monthly vlog. Vous me voyez toujours pas, c'est normal. Aujourd'hui, programme de la journée. Alors ce matin, il va pas se passer grand chose, j'ai cours. Ce midi, on va aller manger peut-être au champ, pour ceux que ça intéresse. C'est pas intéressant du tout, hein. Je reprends à 14h. Et ensuite, cet après-midi, je verrai bien ce que je peux faire. Mais j'ai un forum post-BTS obligatoire, donc je suis obligé d'y aller. Je verrai bien ce que je peux faire, si je peux filmer là-bas, ça serait bien. Pour voir un petit peu ce que c'est. Sauf que bon, ça sert pas trop à rien. Donc là, on va à l'arrêt de bus. Vu que c'est mon frère qui a la voiture, vous savez, il y en a une voiture. C'est cool, hein. Mais vu que c'est lui qui est là pour ses stages, moi je suis obligé de me traînouiller la patte à pied jusqu'à mon arrêt de bus, c'est pas grave. Ça fait une activité, ça compense les McDo, n'est-ce pas? Donc là, je suis un petit peu plus à l'aise pour parler, parce que tout à l'heure, en fait, il y avait des gens qui sortaient dehors et tout, ils sortaient tous leur bagnole, là. Ils étaient tous dehors, ça me gênait un petit peu. Même si je pense que maintenant, il est devenu à peu près courant de croiser des gens qui partent tout seuls à leur caméra dans la rue. Voilà, je vous laisse, parce qu'il y a de la lumière dans les baraques. Je suis en train de me demander s'il y a personne dehors. Et c'est chiant. Non, il n'y a personne dehors. Et vous me voyez toujours pas, c'est un scandale. Je lance un appel au don pour EDF, pour nous mettre du courant dans ce bahut, parce que il n'y a aucune lumière. Voilà, appel au don pour le lycée Blaise Pascal, les lycées à Longues. Vous êtes actuellement posé sur une table. Donc ce qui vient de se passer, c'est 2 heures de rien. En fait, cérébralement, il n'y a rien eu. Ah oui, et puis en passant, tiens. Donc j'y pense, Thomas. Thomas, c'est ton heure de gloire. Allez, mais je l'avais dit. Il voulait que je lui filme ce putain de godasse. Bon, c'est des godasses. Vous voyez, il y a une semelle, puis le reste, puis des lacets. Puis voilà. T'es content? Merci. De rien, fuite. Donc, c'est spécial quoi, pour lui. Il a jamais vu des godasses de sa vie. Bon, bref, après, on rentame pour. Il raconte une histoire de mes couilles. Et donc, ensuite, on rattaque avec 2 heures de bain. Bon, là, je suis en physique appliquée. Je l'ai 2 heures. Le prof, il est pas là. Ça, c'est pas mal. Regardez juste ce que je fais. Voilà, je travaille beaucoup, beaucoup. On a beaucoup de travail. Merde. Bon, alors j'ai bien bouffé. Quel gros porc, mais quel gros sac. Mais quel gros sac. Putain. Mais quel gros porc, mais quel gros sac. C'est que nous, en fait, on est spécial. C'est qu'à chaque fois qu'on finit, on s'arrange pour tout mettre dans la même boîte. Donc moi, après, je vais essayer de tout mettre dans le même gobelet. D'ailleurs, je vais essayer ça, tu vois. Tout le monde a le droit de venir.
En fait là il y a un gars derrière vous qui est en train d'essayer de vous mettre des trucs dans le gobelet mais il n'y arrive pas. En fait c'est des frites, merci. Oh ça rate pas. Voilà, je crois qu'on est bon. Non, encore le papier, mais on s'en bat les couilles. Que faut que je mette le papier? Oh là, mais non. T'as bien payé, c'est trop cool que y'a là-bas. Oh. Ben voilà. Ah bâtard. Bon bah ça va, c'est en train de casser du sucre sur mon dos, en train de dire que je suis consanguin, que je couche avec tous les gens que je croise, même des gosses, hein? N'est-ce pas? Bande de gros porcs. Bon bah alors sinon là le programme c'est qu'on va rentrer au lycée. Je dois encore saquer encore de la physique appliquée comme d'habitude. Dans chaque vlog hein, vous allez avoir droit à cette physique appliquée. Encore 2h30 ma mène. Eh ouais mais encore 2h30 je suis dégoûté. Donc on va essayer de ça. Vas-y croche encore sur moi. On va essayer de s'arranger pour partir avant. Hein, gentiment. En scred, on va faire ça. Bon, pendant que les autres se battent derrière, le mercredi après-midi, c'est à terreau. Génial. On va torcher 102-2 et puis on va se taper 1-0. On calme. Ah, puis tant que j'y suis, il voulait faire Jujujul. Les points, ils veulent déter après avoir. Il nous demande de remplir une feuille comme ça pour se former pour le BTS. Et va finir la poubelle. Bon, les directions se forment là, et puis après on se casse. Bon, le vlog n'est pas terminé. Enfin, je vais le terminer là parce que bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre de ma journée en plus? Il est 17h04. Je suis sorti de mon bahut à, on va dire, une connerie comme 16h05, 16h10. Ce forum post-BTS, je crois que j'ai un petit peu tort de le dire comme ça en vidéo, indirectement, parce que si ça se découvre, voilà voilà. Mais clairement, j'ai envie de vous dire que ce forum post-BTS, ça m'a... franco ou pas? Ouais, allez, franco, ça m'a cassé les couilles. Je me suis fait chier, voilà, parce que moi, mon avenir, c'est quoi? Eh bien, rien du tout. Post-BTS, mon cul. Je vais même pas terminer mon BTS, je vais faire qu'une année. Alors oui, je suis peut-être con. Je suis peut-être abruti, je suis peut-être ce que vous voulez, mais j'ai clairement pas envie de faire 2 ans. Hein, je perds mon temps là, franchement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de cette année-là, bah, je ne me réinscris pas. J'arrête mon BTS et puis bah, travail, mesdames et messieurs. Avant d'enchaîner sur autre chose, là, je suis en train de. Voilà. En fait, là, je tiens pas du tout l'appareil photo. Enfin, je le tiens pas du tout. Lui, je le tiens indirectement. On va faire un petit flashback. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait, la vidéo bricolage YOLO, où je fabriquais un Steadicam avec des tuyaux de plastique, etc. etc. Bah, je viens de le retrouver, en fait, il était planqué derrière mon synthé, en fait, c'est bordel. Hein. Il était planqué derrière la boîte de mon synthé avec mon synthé dedans. Donc là, ça bougeait ça, puis il y a un trou là. C'est un peu comme ça. Il y a un peu de bordel un peu partout. Vous voulez des cahiers à vendre, 5 euros, pas cher. Et donc je viens de retrouver ça, c'est vachement pratique en fait. Ensuite, je vais me poser. Bon, il y a l'ombre, mais on s'en branle. Je suis arrivé chez Red. Voilà, donc niveau téléphone. Je suis arrivé chez Red. J'ai commandé une carte SIM chez Red, etc. etc. Comme ça, on est mieux. Un peu en contre-plongée, mais bon, c'est pas grave. Et donc, j'ai pris le forfait, il refaisait la promo. Alors, pour ceux qui voudraient profiter, on est le combien? On est le 14, est-ce que je vais sortir ce vlog avant le... Donc, je vais rien vous dire, je ferai pas de pub. Mais donc, je suis passé, pas chez Soch, mais chez Red.
Et tout simplement, j'ai pris le forfait, ils ont refait une promo à 20 Go 10 € par mois, sans condition de durée et sans engagement. Donc là, en fait, c'est le forfait raid illimité 1 Go qui a été boosté à 20. Et donc, je vais payer ça 10 € par mois, c'est totalement donné. Voilà, on va faire comme Seb. Lui, il a fait pareil, hein, il a pris un forfait 20 Go 10 € par mois, mais je crois que c'était un autre forfait qu'ils ont, enfin, une offre spéciale, bon bref. Et donc, avec ça, je vais coupler ça à quoi ? Eh ben, je l'ai dit déjà à beaucoup de personnes, je vais coupler ça à un iPhone. Là, on est quand ? Au moment où je fais ce vlog, ben, on est le mercredi 14 décembre. On est toujours le mercredi 14 décembre. Le samedi ou le dimanche, mais je pense plus le samedi, on sera le combien ? Laissez-moi faire des calculs savants. On sera donc le 17, ça nous ramène au 17 décembre. Alors, je sors la balls et je vais donc m'acheter un iPhone. Ça sera lequel ? Ben... J'ai pas envie de prendre le 7 parce que déjà il est trop cher, puis que bah genre non, j'aime pas l'iPhone 7 à cause du bouton home qui n'est plus physique, c'est juste un bouton tactile avec un retour haptique en dessous. Donc en fait vous appuyez dessus puis vous sentez clac clac en dessous, mais en fait c'est juste quelque chose qui vient frapper en dessous le truc, c'est pas clairement le bouton qui s'enfonce. Donc je vais prendre le 6 Plus, iPhone 6 Plus. Alors déjà pourquoi le plus? Parce que ben bah, hein, je pense que vous avez compris, j'ai des grandes mains. Et puis, bah, pourquoi pas le 6S? Bah, pff, encore une fois, je vois pas l'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est un iPhone après que je vais garder quand même assez longtemps, je pense. Donc, il faut vraiment en fait que je range ma chambre parce que c'est vraiment le gros bordel. Voilà, grosso merdo, c'est terminé. J'essaie de vous chercher encore quelques trucs. Bon, bah, alors, hein, évidemment, vu qu'on est en hiver, bah. Ah, salut, ça va? Ah, ça fait bleu. Oui, ça fait bleu. Donc voilà, donc à 5 h au soir, il commence à faire noir, tout ça, etc. Pendant les vacances de Noël, etc., etc., la vacance de Noël, Nouvel An, je vais essayer de vous faire, comme d'habitude, j'essaierai de vous faire des vidéos. J'en profite au niveau des vacances pour faire des vidéos. Le mois prochain, au mois de janvier, il y en aura un nouveau. Au niveau de la table de tournage, je vais tourner ça à peu près mi-janvier. On va se dire ça, à peu près début janvier, mi-janvier, enfin on verra bien. Faut déjà qu'on revienne de vacances. Donc je disais que le prochain Monthly Vlog, je vais le tourner au niveau du mois de janvier. Si vous avez des commentaires à faire sur les chaussures de notre ami Thomas, sur ses magnifiques bottines, allez-y, mettez des pouces verts. D'ailleurs, il en mettra un, il m'a promis et il le fera, parce que sinon je le... Non, rien, je ferai rien, parce qu'en fait, il habite en Normandie, donc si je dois aller le frapper, qu'il est en Normandie, donc ça va pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne année. Bah non, en fait, parce que... Bon, c'est moyen. Bref, bah vous savez, si je reviendrai, c'est compliqué, mais je reviendrai pendant les vacances de Noël. Obligé. Mais ça m'empêche pas de vous souhaiter quand même d'agréables fêtes de fin d'année comme d'habitude. Bref, allez, j'en ai assez dit, je vous laisse. Et puis, on se dit à un de ces quatre, les mecs. Bon, allez, salut!